Bonsoir tout le monde. Désolé au tardif parce que j'ai fait beaucoup de choses aujourd'hui. Quand vous verrez cette vidéo, bah, ce sera un matin pour vous. Je vais vous montrer, je suis allée pendant que Coton était au tout étage. Je suis allée à Action. Sans grande conviction au départ parce que ça fait 2 mois qu'on a les anciennes choses qui sont mises il y a 2 mois. Donc surprise, quand je suis arrivée, il y avait quelques nouveautés. Montre ce que j'ai trouvé. Déjà, montre. Hop. Je me suis repris un meuble comme ça. Marie-Pierre en a pris 2. Dans l'action de jeu, il n'y en a souvent que 3 par 3. Donc j'en ai pris un qui va aller du côté gauche et j'en cherche un autre. J'en ai arrivé 6, 7, mais c'est franchement c'est super pratique. Je ne vous dis pas les économies de classe. On va commencer alors dans le rayon enfant, tomber sur ça. Alors, bizarre la luminosité, donc c'est un puzzle. Donc, visibilité quasi zéro. Alors c'est un puzzle à colorier, donc il y a 50 pièces et c'est un 20 sur 30. Donc, je vous montre ce qu'il y a dedans. Donc c'est la reine des neiges, hein, pour ceux qui n'ont pas bien vu. Alors attendez, je vais enlever le scotch. Alors. Voilà. Je vous montre la boîte. Enfin, j'ouvre la boîte. Hop, ça se prend comme ceci. Il y a un côté qui est colorié, enfin qui est déjà fait, et un autre où vous devez colorier. Donc il y a 50 pièces, et avec, il est fourni des petits crayons. Attendez, je cherche le sens pour ouvrir. Voilà. Donc apparemment c'est des crayons feutres. Après vous n'êtes pas obligé d'utiliser cela, mais c'est les crayons des personnages. Donc on a bleu, jaune, orange, rose, noir et vert. Marron et vert. Donc il y a carrément marqué Frozen, donc la reine neige, sur les crayons. J'ai pas fait hier. Donc c'est ça. Un côté à colorier et le recto verso. Après je pense que c'est le même modèle. Donc ce que vous faites, je pense que non, on a les couleurs là. Donc j'allais dire vous le faites une fois à côté où il y a le dessin déjà avec les couleurs. Et vous redéfaites et vous refaites les couleurs. Mais il y a le modèle là. Voilà. Il y avait d'autres. Hein. Il y avait pas de patouille. Il y en a que je ne sais pas lire. Mais il n'y avait pas mini. Donc du coup, on m'a pris la reine des neiges. Ensuite, au rayon maquillage. C'est pas pour maquiller. Moi j'utilise ces pinceaux là pour appliquer les encres sur mes fonds de carte. Je vous montre Monsieur Coton. Il a été surtout beau aujourd'hui. Hop. Coton, viens voir. Viens. Viens. Voilà, hop. Ah non, mais là on ne te voit plus. Attendez. Hop.
Voilà, monsieur Coton. Assis. C'est bien, mon coton. Voilà, il a été super tout beau. Il est fatigué, mon doudou. Hein? T'es fatigué? Il a été super tout beau aujourd'hui. Et bonne nouvelle, on en est aussi chez le veto, comme il avait des nouvelles croquettes pour perdre un peu de poids, parce qu'il a à peu près 1 kg, 1,5 kg de trop. Il a perdu 400 grammes en 2 semaines. Nickel. Donc voilà une nouvelle de Monsieur Coton. Donc je vous disais, j'ai pris avec le reflet. Franchement, pas génial. Donc il y a 4 pinceaux. Il y a un gros, un plat et 2 petits plats. J'aime bien les couleurs, regardez. On les voit mieux derrière. Hop. Ils sont super pour faire des fonds de cartes ATC. Je vous montre ça après. Vous vous souvenez que je vous avais parlé, j'avais pris des blocs quinquin, que j'aurais dû prendre un deuxième bloc de la Reine des Neiges. Et ben c'est chose faite. Et que celui-là. C'est avec celui-là que je fais certains échanges. Et il y avait un deuxième, mais que dans les couleurs bleu, un peu bleu foncé, bleu nuit. Mais c'était vraiment trop, un peu trop flash pour moi. Donc j'ai pris celui-là. Et je voulais un deuxième de Mary Poppins, et il y en avait qu'un, tu vois. À chaque fois, il n'y en a qu'un. Ou alors, j'arrive que quand il n'y en a qu'un. Mais en tout cas, je suis contente d'avoir trouvé ces deux blocs en quinquin. C'est pas souvent qu'on voit. Surtout Mary Poppins. J'ai repris un. J'arrive plus à en trouver. Enfin, j'aimerais bien en trouver en 16 sur 16, mais dans les tons rouges. Bon, là, c'est que du métallique. C'est du 13 sur 13. J'en avais plus en métallique comme ça. Donc, il y a 8 cartes, 8 enveloppes. Vous les connaissez. Parce que moi, je me rends compte, et je suis pas la seule d'ailleurs, il y a plusieurs filles qui m'ont dit que plus ça allait et moins il y avait dans Rayon Scrap des cartes et des enveloppes comme ça. Il diminue de plus en plus le rayon. Alors ce que je comprends pas, c'est que dans le rayon scrap, il nous colle des cartes toutes faites en touchant. Je vois pas ce que ça fait dans le rayon scrap. Et il y a vraiment plus grand chose. Donc, moi ça va, j'ai mon stock. Donc ensuite, en dentelle. J'en ai plein. Hein. J'ai vu sur une vidéo, alors ça c'est bleu, pas c'est bleu ou gris, c'est un bleu gris on va dire, j'en avais pas celui-là, je me dis pour Noël il servira super, donc c'est un, il y a 3 mètres et de large, c'est du 4 cm. Donc pour les troncs d'albums, c'est super. J'en avais pas. Ensuite, en nouveauté. J'ai trouvé mal de nouveautés. On voit sur certains halls tourner ces embellissements en bois là. Donc là, c'est des étoiles. Des flèches, pardon. On est à 24 pièces. Elles sont collées l'une à l'autre, hein, n'hésitez pas. Mais il y a 24 pièces. Donc en bois. Oui, sur le côté, c'est en bois foncé. Il y a d'autres de la même collection. Wooden figure, donc figure en bois.
Il y a des cœurs. Il y a rose, orange, vert et rouge. Bon, je trouve pas mal. Il y a 18 pièces dans celui-là. Et j'ai pris les chats. Non, pas fait de chien. J'ai pris les chats. Désolé, c'est pourri comme luminosité. J'espère que vous verrez bien. Bon, pareil, il y a 18 pièces. Et là, là, par contre, les couleurs, il y a bleu, orange, rouge et vert. Il est magnifique, le bleu. 18 pièces. Pareil. Dans le rayon où il y a tous les angles, les pinceaux et tout ça, j'ai voulu essayer. J'ai pris une palette de pastels tendres. Pareil pour faire des fonds. Donc il y a 24 pièces. Je trouve le sens qu'il faut l'ouvrir. J'ai toutes les mêmes boîtes, par contre il n'y en a pas d'autres. Enfin d'autres. Donc vous n'allez pas voir avec le classique, mais vous voyez, c'est quand même des gros bâtons et des jolies couleurs. Je ferai un essai, un fond de page avec, de sur un coloriage, et je vous dirai ce que j'en pense. Bon, il y a franchement des jolies, très jolies couleurs. Ensuite, en nouveauté, aussi, vous avez dû voir sur, je sais plus sur quel haut j'ai vu ça, ces rubans de pompons. Alors, il y a 6 modèles, moi j'en ai que 5 parce que le 6e c'était un vert, un espèce de vert olive que j'aimais pas du tout. Donc, j'ai pris ces rouleaux. Alors, ce sont des rouleaux de 2 mètres et les pompons sont vraiment tout petits. Hein. Ça, c'est génial. Par rapport à... j'en ai pas là sous les yeux. J'avais fait sur des planches, en fait, il y avait les rubans et les pompons, tout ça. Mais ils étaient plus gros. Il n'y avait qu'un mètre. Et là, vous avez 2. Je sais pas si j'en prendrai pas d'autres. Hein. Je dois retourner samedi Marie-Pierre. Je pense que je vais en reprendre. Bon, moi j'ai pris un vieux rose, un bleu, un rose, un beige et un blanc. Et comme le beige pour Noël ça va être nickel, je me suis pris un deuxième beige. Donc il y a toujours la marque Hobby Flora. C'est la même marque que les fleurs. Que vous voyez là, les fleurs qui font sachet. Donc j'ai quand même de quoi faire, vous voyez. Et je me suis repris ma basson, j'en ai repris 4. C'est vraiment trop bon, de temps en temps j'adore. Quand j'ai envie de bulles, et ben je prends ça. Donc c'est 100% naturel, au citron, et 400 ml. J'ai pris ça et j'ai pris un ice à la pêche, qui est au frigo, et j'ai repris du papier toilette et du sopalin. Et dernière chose que j'ai trouvé, on les avait pas encore vus, les nouveaux tailles comme ça. Donc moi je n'ai pas tous pris. Hein. Comme je crois qu'ils sont à 3,29. Donc j'ai pris celui-ci. Alors vous pouvez le mettre sur cela. Enfin, on n'est pas obligé de le mettre comme ça, on peut le mettre comme ça. Donc c'est vraiment très joli. Bon. Moi j'aime bien.
pas trop ce que je vais, comment je vais l'utiliser, mais je pensais peut-être l'utiliser sous forme un peu comme des napperons. Mais jolie couleur, jolie forme. J'ai pris les ronds. Alors Marie-Pierre, au lieu de me dire qu'il voulait les ronds et les papillons, ben, elle m'a dit après quand il a vu. Et il restait plus qu'un en plus comme ça. Donc je crois qu'il y a, si j'ai pas compté, mais il y a 2, 3. Moi j'en compte 11. Je suis pas sûre. Bon, moi j'en compte 11. Moi je suis pas réveillée. Donc j'ai pris les ronds et j'ai pris les coins. Enfin, pour faire ouais des coins. Bon, j'avoue que celui-là, j'aime un petit peu moins. Les petits ronds là au milieu, ça fait penser comme le truc d'abeille. J'aime un peu moins. Par contre, celui-là, j'adore. Celui-là dans le vintage, le shabby, ça ira super. Donc voilà, c'est. J'ai trouvé que ça action. Il y avait vraiment pas mal de nouveautés, hein, je vous dis. Pour nous, ça, c'est une nouveauté. Ça, je les ai vus dans aucun haul. Par contre, ceux-là, je les ai vus. Ça, c'est une nouveauté. Et les petits rubans. Ça, super. Je pense que samedi, je reprendrai d'autres. Et ça aussi, pour moi, c'est une nouveauté. Je vais montrer deux petites choses vite fait que j'ai reçues de Amazon. Donc je me suis pris. J'essaye de pas faire de bruit. J'ai pris du ruban. Désolé pour le bruit. Ah, ça colle. Donc c'est du ruban sous forme de toile de jute avec de la dentelle. Vous voyez, derrière, c'est la toile de jute. Bon, je sais plus combien de mètres il y a, mais oui, il y a franchement énormément. La dentelle, j'aime beaucoup parce qu'elle est très, très discrète. C'est pas grossier, quoi. Donc, je suis contente d'avoir reçu en avance. Et deuxième chose que je me suis commandée, c'est un die petite souris. Donc, j'ai trouvé rigolo. Normalement, c'est pour Noël. Rien ne vous empêche d'enlever le haut du bonnet et la canne à sucre. Par contre, il me fait penser à Speedy Gonzales. Sauf que, il n'a pas les grosses moustaches et il n'a pas la mèche qui rebique devant. C'est un peu le même genre. Il est assez grand. Mais franchement, il est trop mignon. Petite souris pour Noël. Sachant des reines, des Pères Noël. Donc voilà, ben, c'est tout ce que j'ai trouvé à Action. Pas mal déjà. Et ben moi je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, bonne journée. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.